Moi, je fais vraiment du vin sans rien. Pressé avec les pieds. Tout propre, attention. Hein. Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une cuve et pas y toucher, mais ils sont fous. Faut travailler 1000 fois plus que sur un vin conventionnel. C'est en mouvement perpétuel, tu vois, le vin naturel. Quand t'as que des certitudes, c'est une catastrophe. Je mets au monde quelque chose et je l'accompagne pour bien l'élever. Donc là, je suis en train d'accoucher, en fait, vous réalisez pas. Les vins nature, ce sont des vins de fainéants. Ils sont bourrés de défauts, mais ils séduisent les néo-vignerons comme les néo-consommateurs qui s'habituent à ces faux goûts ou les prennent pour des expressions du terroir. Une régression. Sur des vignes qui sont centenaires, et quand on te dit que ça représente pas ton terroir, tu te dis quand même un truc qui va pas. Mais ce que j'ai trouvé ici, c'est le collectif. On partage les choses, quoi. Retourne. Ces gens-là font ce qu'il faut par choix, avec une envie de partager et de transmettre. Ils salopent pas leur sol, ils salopent pas la santé des gens, ils expérimentent des trucs, ils prennent des risques. On va pas changer le monde en allant au bureau de vote, on va changer le monde en allant dans les vignes. Ouais, c'est quand même magique. On a des raisins et puis quelques mois après, on peut se prendre une cuite. C'est génial. Belle cuite, au missage.